What's good YouTube, man? C'est pour une nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on a l'équipe des Minnesota Timberwolves contre New Orleans Pelicans, là où il y a Terrence Shannon Jr., Rob Dillingham et surtout Nadir If I, les gars. J'ai le seum pour lui qu'il soit pas en équipe de France. Mais comme je l'ai dit, je pense que c'est une bonne opportunité pour lui d'être en Summer League. Parce que pour moi, son jeu, il est grave. Ouh, Goody. Deshaun Knicks. Je le suivais en high school, il était tellement fort. Hey! Let's go, boy! Goody, Deshaun Knicks. Hey! Vous avez vu comment ça joue vite? La Summer League, c'est parfait pour Nadir. Parce qu'il a un gros. C'est un gros joueur d'un contre un, donc je pense qu'il va grave s'exprimer. Après, comme je dis, ce qui est chiant, c'est que t'as Rob Dillingham, leur draft pick, c'est un meneur. Donc ça veut dire qu'il va pas beaucoup jouer parce que tout simplement parce qu'ils préfèrent faire jouer leur draft pick. Et même s'ils jouent moins bien ou tout, ils en ont rien à foutre parce que Rob Dillingham c'est leur draft pick et ils veulent que c'est lui qui taffe, tu vois. Donc ils en ont un peu. Je vais pas dire qu'ils en ont rien à foutre de Nadir, mais il est pas sous contrat et voilà quoi. Vous voyez ce que je veux dire? Donc c'est pour ça je pense qu'il va pas beaucoup jouer. Mais comme je dis, c'est pas un problème pour Nadir parce qu'à Paris Basket, il joue moins de 20 minutes par match et lui c'est un mec qui est habitué à jouer. À taffer sur du temps de jeu limité. Donc ça va vraiment se passer pour lui. Et voilà. Mais comme vous avez pu le voir sur le match France-Serbie, gros, on a tellement besoin d'un gars comme Nadir, Sylvain Francisco, etc. Mais bon, c'est un autre sujet ça. Il n'est pas encore rentré Nadir, let's get it. J'aime beaucoup les draft picks des Timberwolves. Hein. Terrence Shannon Jr. Ah, il est là Nadir. Let's get it Nadir! Let's go, my boy! Il joue une heure en plus. Ok, goody. Ah! Good move. Give it that! Nadir for three! Ouh! Pa, pa! J'ai à 37% les nanas. Bonne passe. Elle est tellement tough de chez Knicks. Il a pris grave du poids, mais les gars, en high school, je vous dis, les gars-là, il était trop fort. Vraiment trop fort. C'est un mec, il a du bounce de ouf, hein. On dirait pas comme ça, mais. Ok, Nadir. Ah, celui-là, je l'ai vu. Cross pull up, cash money, isolation. Je vous ai dit, les gars. Nadir, il peut scorer le ballon, mon gars. Peu importe le setting, man. Peu importe la situation, peu importe le. Quand tu sais scorer le ballon, tu sais scorer le ballon, mon gars. Surtout quand tu sais créer, tu sais shooter. Peu importe où tu vas jouer, gars, tu peux scorer. Et surtout, c'est un mec qui a une confiance inébranlable, tu vois. J'aimerais tellement qu'il réussisse, les mecs. Parce que les mecs comme lui, qui ont été mis sur le côté et tout, qui ont charbonné pour être là où ils sont, pour moi, c'est les mecs qui méritent le plus, tu vois. Comme lui, Sylvain, tous ces mecs-là, là, qui ont vraiment ce truc. Goody, good drive, tough. Nadir? Il a déjà mis 7 points. Fais la passe à Nadir là. Wesh. Oh, c'est quoi cette passe? Oh, bonne passe. Tough. Deshaun Knicks. Elle est trop fort, les gars. Même en tant que passeur, c'est un vrai passeur. Ouais. Même en. Putain, elle est. En fait, je me rappelle de tous les matchs que je regardais. Tellement je kiffais son jeu. Je regardais tous ses matchs. Il était à la Grand Station et tout. Oh là là, il est tellement fort. Good move, bonne passe. Dedans. Non, ils sont tough. C'est qui lui? Hey, get out of here, boy. Let's go, Rob. Ta Rob, il est trop rapide, les gars. Hey! Terrence Shannon Jr., il est trop fort, les gars. Il a juste eu son problème à. Il a juste eu son problème là où il s'est fait accuser de viol alors que c'était faux. Qui a fait que. Good pull up! Let's go, Rob! Qui a fait qu'il a baissé un peu dans les mocs, mais c'est vraiment un monstre, les gars. Good move! Trois points, cash money! Hey! Ok, Nadir, good day.
Bonne défense. Let's go, Deschenix. Hey! Je veux dire, il y a du bounce, hein. Il y a du bounce, Deschenix. You that shit, boy. Ah! Bonne défense. Et ouais, la Summer League, en fait, les équipes. Let's go, on a dire pull-up. Good drive. Bonne passe. Passe des. Ok. Ouais, la Summer League, comme je vous l'ai dit, c'est fait pour. Les équipes, elles veulent jouer leur draft pick, hein. Elles veulent faire jouer leur draft pick, c'est tout. C'est pour ça. Je sais pas combien de minutes il a joué là, mais je pense pas qu'il a joué beaucoup, déjà. Et il peut. Il met là. Ouh. T'as pas ça à dire. Pull-up, 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 pull-up! Spécial? Ah, dommage. C'est la spéciale, ça. Écarte, écarte, écarte! N1, c'est fort, Terence Shannon. Encore. Tough, man. It's tough. Goody. Regarde devant. Bonne passe. Encore une passe d'est. C'est un bon Rob. Il aurait pu croquer et marquer. Hein. Il a voulu faire la passe. Bonne passe. Ok, ils vont gagner ou quoi? Ça va Nadir, il est sur le terrain, ça veut dire qu'il a beaucoup joué quand même. Après, il est en train de taffer aussi. Quand tu taffes, ça t'oblige à les faire jouer. Mais vous voyez par exemple. Ok. Wouh! Ah, goody. Aïe, aïe. Reviens, reviens, reviens. Ah, dommage. Pull-up. Va Thomas. Goody. Hey! On a dit qu'il est sorti. Il va plus jouer là, de toute façon, il reste une minute. Attends, je vais m'en voir. On va quand même regarder. Purée, il est trop explosif, wesh, les gars. Il est trop explosif, wesh. Ouais, c'est fini. Lui joue déjà en Pelicans, il joue beaucoup de minutes déjà. Bon, c'est tout pour cette vidéo, les gars. Likez, commentez, abonnez-vous. Et voilà, on va regarder Bronny. Bronny, Bronny.